Mesdames et messieurs, bonsoir. Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance en renforçant la couverture judiciaire, c'est une priorité du gouvernement du président Patrice Talon. Pour y arriver, le chef de l'État a initié un certain nombre de réformes. 4 années après, le secteur de la justice et de la législation a-t-il réellement connu une modernisation? Le Bénin dispose-t-il aujourd'hui d'une justice de qualité? Quel bilan faire aujourd'hui, 4 années après? Réponse ce soir en plateau avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Kenhomme. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur Kouakou, bonsoir. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau et pour conduire cet entretien ce soir, André Dossa, journaliste à Canal 3 Bénin. Bonsoir, André. Bonsoir, Ricardo Kouakou. Bonsoir, garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur Dossa. 4 ans que Patrice Talon gère le Bénin. Alors, quelle est la qualité de la justice offerte au Béninois aujourd'hui, après 4 ans de gouvernance de Patrice Talon? Pour répondre à votre question, il faut peut-être partir dans un premier temps de la mission assignée au ministère de la Justice et ensuite du bilan tel qu'il avait été établi en 2016. Très bien. Et le ministère de la Justice a essentiellement pour mission d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, de promouvoir les droits de l'homme et ceux de l'enfant, de promouvoir la bonne gouvernance et d'assurer une dynamique de renforcement des relations avec les institutions. Telle est la mission du ministère de la Justice. Lorsque cette mission a été établie et qu'il était question d'élaborer le programme d'action du gouvernement, il fallait faire l'état des lieux. Cet état des lieux, je n'étais pas à l'époque en fonction, vous le savez. Absolument. J'ai succédé à mon excellent confrère Joseph Diogbénon, qui a conduit une équipe qui a travaillé donc à établir cet état des lieux, sans concession, avec la rigueur qui caractérise les juristes praticiens du droit. À cette époque-là, vous vous en souviendrez certainement, c'était la période de la paralysie quasi permanente des juridictions. Les juridictions. Due aux grèves intempestives et répétitives, à la limite du chantage syndical. D'un autre côté, vous aviez la corruption qui s'était quasiment généralisée au niveau des magistrats, au niveau des grèves. C'était une sorte d'affairisme qui était développé et avec un racket des justiciables. Vous avez également, de l'autre côté, une extrême lenteur. C'est peut-être l'une des caractéristiques ou les griefs qui sont faits depuis toujours à la justice. Une extrême lenteur dans l'examen des dossiers et la délivrance des actes. Il y avait également un sous-effectif au niveau du personnel judiciaire, en particulier des magistrats, défaut de quantité des fournitures de bureaux, vétusté des locaux, des installations, et surtout une gestion calamiteuse des contentieux de l'État qui se soldait le plus souvent par des condamnations à la limite scandaleuses, plus maintenant une forme d'instrumentalisation de la justice dans un certain nombre de dossiers. Ce constat renvoie donc de la justice une image assez détestable qui appelle donc la mise en œuvre d'un certain justement, nombre. Lorsque Patrice Talon a fait ce diagnostic avec ses équipes, vous avez évoqué votre prédécesseur Joseph Diogbénon, alors après 4 ans de mise en œuvre du remède proposé, quelle qualité de justice avons-nous aujourd'hui? Alors d'emblée, je dois vous dire que la justice se porte mieux. D'abord, qu'est-ce qui permet de le dire? Parce que nous assurons aujourd'hui la continuité du service public de la justice avec l'encadrement du droit de grève. Et puis, nous avons pu instituer avec les syndicats… Encadrement ou la suppression, Non, il n'y a pas eu suppression. J'allais même ajouter un meilleur encadrement du droit de grève qui permet d'assurer la continuité du service public qui, d'ailleurs, n'aurait jamais dû être interrompu. C'est un pouvoir. Un pouvoir, nous le disons bien souvent et sans grande conviction, que le pouvoir est continuité. Et puis, vous imaginez que le service public de la justice, alors que le citoyen ne peut pas se faire justice à lui-même, peut être interrompu parce qu'il y a des réclamations d'autres catégories ou professionnelles. Nous avons donc permis aujourd'hui à la justice de tourner pratiquement 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Je vous propose qu'on fasse le bilan, étape par étape, secteur par secteur, si vous voulez, sous-secteur par sous-secteur. Quelles sont, par exemple, au niveau des juridictions, les actions menées en 4 ans pour vous permettre d'affirmer aujourd'hui que la justice se porte mieux? Alors, sur la base du bilan qui a été établi, ainsi que je vous l'ai dit, nous avons remis la justice au travail.
Nous sommes accordés sur un certain nombre de points avec les syndicats et aujourd'hui, leurs réclamations sont satisfaites et puis ils sont au travail. Mais surtout, nous avons, au niveau des réformes, supprimé par exemple les cours d'assises en instituant des chambres criminelles dans toutes les juridictions de première instance. À quoi cela sert ? C'est pour juger les infractions les plus graves, que nous appelons crimes, au sein de ces juridictions qui n'obligent pas forcément à éloigner le justiciable de la localité où l'infraction a été commise, mais également, vous savez, les cours d'assises, quand elles étaient organisées, elles étaient lourdes, onéreuses, et puis pas toujours réunies et rapidement. Aujourd'hui, les infractions seront jugées dans un délai relativement court, une période voisine de la commission de l'infraction, dans le lieu où l'infraction a été commise, et puis par la juridiction localement établie. Je crois que c'est une performance. Et alors, cette institution des chambres criminelles au niveau des tribunaux de première instance a permis également l'instauration du double degré de juridiction en matière criminelle. Parce qu'à l'époque des cours d'assises, il n'y avait pas un double degré de juridiction. Nous avons également créé les juridictions commerciales, les tribunaux de commerce, pour l'instant dans les villes à statut particulier, Cotonou, Porto Novo et Parakou. Le tribunal de commerce de Cotonou a été déjà installé, est en activité, et même aujourd'hui pour nous, une juridiction pilote en termes d'accessibilité des justiciables et de dématérialisation. Monsieur le garde des Sceaux, le tribunal de commerce ou la cour d'appel même de commerce, la CRIET, ça fait partie des innovations, des 4 ans d'action de Patrice Talon dans le domaine de la justice. Qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement ? Pour constater l'effectivité du travail, je vous invite à regarder ce reportage et on revient juste après. Instaurer une gouvernance de qualité avérée basée sur la lutte contre la corruption afin d'en finir avec l'engagement de la responsabilité à géométrie variable et promouvoir une justice moderne, efficace et équitable au grand bonheur des justiciables, c'est l'un des vœux chers au président Patrice Talon. C'est pourquoi le chef de l'État, après un diagnostic du secteur judiciaire, a décidé d'y opérer des réformes. Ainsi, dans le but de lutter efficacement contre la corruption, il a été créé la CRIET, une juridiction à compétence nationale à laquelle est affectée la répression de crimes terroristes, des délits et crimes économiques tels que prévus par la législation en vigueur, du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. En 19 mois d'exercice, les résultats sont satisfaisants. Depuis le 6 septembre 2018, à ce jour, pour 19 mois d'existence, nous avons reçu 520 plaintes. Maintenant, les procès-verbaux qui viennent ici, ça fait 874 procès-verbaux. Ça fait 874 dossiers déjà. C'est dit qu'en correctionnel, nous avons envoyé 407 dossiers pendant nos 19 mois d'existence avec mandat de dépôt et 33 dossiers sans mandat de dépôt. À ce jour, pour 19 mois d'exercice, nous avons envoyé devant la commission d'instruction 266 dossiers avec mandat de dépôt et 90 dossiers sans mandat de dépôt. Les dossiers que nous avons classés sans suite, le parquet a classé à ce jour, pendant 19 mois d'exercice, 55 dossiers sans suite. Et quand nous continuons toujours les dossiers que nous avons renvoyés devant les autres juridictions, c'est-à-dire notre compétence, je l'ai expliqué tout à l'heure, les infractions à caractère économique, la drogue et le terrorisme, nous avons des dossiers qui ne relèvent pas de notre compétence. En 2018, on en a eu 2. En 2019, 121. Et en 2020, 54. Donc, 177 dossiers ont été retournés vers les autres juridictions. Maintenant, les dossiers de détournement de deniers publics. Donc, à ce jour, pour 19 mois d'exercice, nous avons eu 99 dossiers de détournement de deniers publics. Mais je tiens à vous préciser que devant la cour statuant en matière correctionnelle, pendant les 19 mois, nous avons eu un total de 400
78 dossiers. Et sur les 478 dossiers qui ont été enrôlés devant nos trois chambres correctionnelles, nous avons trois chambres correctionnelles ici, qui fonctionnent les lundis par quinzaine et la troisième les jeudis par quinzaine. 339 dossiers ont été vidés. Donc nous avons 339 décisions en matière correctionnelle, arrêts en matière correctionnelle rendus pendant les 19 mois d'exercice. Et à ce niveau, je tiens à vous informer que des biens, je prends par exemple au niveau des infractions émergentes comme la cybercriminalité, nous avons près de 200 véhicules de haut de gamme, des cybercriminels qui sont saisis, des biens immeubles des cybercriminels qui sont saisis, nous avons les ordinateurs portatifs des cybercriminels qui sont saisis, nous avons des portables qui sont saisis également, confisqués du moins au profit du trésor public. Tous ces biens ont été confisqués et les portables, nous en avons des portables d'une valeur de 1 200 000 au moins, hein, des portables de 500 000 francs. Mais en matière criminelle également, on a eu à prendre beaucoup de dossiers, comme vous le savez, le dossier ICC, les dossiers qui concernent les cas du Trésor, les cas du ministère des Finances, ainsi de suite. Bref, tous ces dossiers permettent l'assainissement du milieu des cadres qui gèrent la chaîne des dépenses publiques. S'il est vrai que désormais la peur de la criette fait changer les habitudes, il est tout aussi important de faire remarquer que dans son souci d'améliorer le climat des affaires, l'exécutif a mis à la disposition du Bénin un tribunal du commerce. C'est un cadre de règlement plus adapté aux différents commerciaux qui est ainsi offert aux opérateurs économiques. Sur les trois premières années d'exercice, le tribunal de commerce a déjà enregistré beaucoup de dossiers. En termes de contentieux enregistrés en 2018, nous avons reçu 850 assignations. On parle d'assignations, ce sont les demandes adressées à la juridiction dans le cadre des contentieux des affaires. Donc sur les deux premières années d'exercice, nous avons eu plus de 2000 dossiers contentieux enregistrés. Tous ces dossiers ont donné lieu à des décisions rendues dans un rythme de célérité qui est ce qui sert au monde des affaires. Donc aujourd'hui, si vous avez un contentieux dont la valeur du litige ne dépasse pas 5 millions de francs CFA, votre dossier est réglé en quelques jours, mais en moyenne sur une année, on a environ 80 jours. Donc c'est un peu la plus-value que les tribunaux de commerce apportent au règlement des litiges commerciaux au Bénin. Également, nous avons mis en place un site internet par lequel nous informons les acteurs judiciaires et le public, sans que les gens aient besoin de se déplacer dans nos locaux pour s'informer. Ensuite, il faut dire, comme je dis, ce tribunal est créé dans une logique à la fois africaine et internationale. Le TC de Cotonou est né après celui d'Abidjan, mais il a précédé celui de Dakar, celui de Conakry, celui de Lomé et récemment celui de Libreville. Donc, dans la zone actuellement, il y a cette dynamique de créer une juridiction dédiée au règlement des affaires commerciales. Et en cela, le Bénin a quand même occupé une place de choix et nos confrères africains viennent également chez nous pour voir comment nous gérons et s'inspirer de notre expérience au Bénin. Les résultats sont là. Je peux vous dire, nous avons reçu une mission d'audit la gestion financière, il y a quelques jours, qui a révélé que le tribunal, en termes de recettes directement encaissées chez nous, a pu donc encaisser près de 300 millions de recettes liées à l'activité judiciaire. C'est-à-dire l'activité judiciaire directement gérée chez nous ici, sur deux années, a permis à la caisse du tribunal d'enregistrer 300 millions de recettes. Fini donc les longs contentieux dans le domaine des affaires au Bénin. Les deux juridictions démontrent donc toute leur utilité et leur efficacité. Le président Patrice Talon relève ainsi à travers la création de la CRIETE et du tribunal du commerce le défi du renforcement du système judiciaire béninois. Vous parlez donc des réformes
qui contribue à la modernisation du service public de la justice. Mais dans l'élément tout à l'heure, il a été omis, peut-être qu'il faut le souligner, nous avons rendu opérationnel les chambres administratives des tribunaux et des cours, pour permettre donc la gestion au niveau local des contentieux entre l'administration et les administrés. Autrefois, ce contentieux était réglé d'un seul tenant, sans double degré de juridiction, par la chambre administrative de la Cour suprême. Aujourd'hui, ce contentieux est connu et ces chambres-là sont opérationnelles. Je vais revenir d'un trait sur le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce est une juridiction spéciale dédiée au monde des affaires et qui est caractérisée par la souplesse, la sérénité de cette décision manifestée par une meilleure accessibilité. Le tribunal de commerce de Cotonou est une juridiction pilote en termes d'accessibilité de dématérialisation. Elle a au-dessus d'elle la cour d'appel de commerce qui sera installée à Port-Nouveau. Les locaux sont prêts. Avec le concours de la Banque mondiale, nous avons pu donc mettre en place l'infrastructure qui va accueillir bientôt son premier personnel. Il s'agit donc d'assurer pour le monde des affaires un ensemble. Et nous avons, à la faveur du vote de la dernière loi sur la modernisation du secteur de la justice, nous avons prévu donc un certain nombre de procédures, dont la dématérialisation des procédures pour permettre justement à cette juridiction qui a, comme tous les tribunaux de première instance, une chambre des petites et moyennes créances. Jusqu'à hauteur de 5 millions, lorsque vous engagez l'action, vous êtes dispensé d'introduire la requête par voie écrite. Vous pouvez la soumettre par voie numérique. Ensuite, lorsque la décision est rendue, elle est privée du double degré de juridiction. Et puis enfin, elle est dispensée des droits d'enregistrement. Ça permet donc d'avoir la décision rapidement et de pouvoir l'exécuter. Cela a donc peut-être l'avantage de pouvoir réellement permettre d'améliorer le climat des affaires au Bénin, c'est cela? Bien entendu, et l'objectif était double. Améliorer l'accessibilité et puis également fluidifier par le concours qu'il apporte au monde des affaires les relations entre les commerçants. Surtout que ça permet d'améliorer la performance d'une business, n'est-ce pas vraiment l'objectif de la création du... Doing Business est un programme qui accompagne les États dans les réformes et pour accroître les performances de leur économie. Et nous avons eu de très bonnes notes. Les indicateurs tels qu'ils ont été fixés par le Doing Business ont été pour la plupart bien accompli et ça nous permet donc de dire aujourd'hui à la fois notre système judiciaire, mais également les réformes structurelles intervenues au niveau de l'économie et des finances permettent de hisser notre pays comme donc un État vraiment moderne, aussi bien donc de par son économie, de par sa justice. Il y a par exemple le répertoire électronique des sûretés mobilières. Alors c'est la toute dernière innovation qui a été mise en service. Nous avons, avec le ministre des Finances et le concours de nos partenaires techniques et financiers, mis en place un registre pour l'inscription des sûretés mobilières. Il s'agit d'un registre électronique de telle sorte que le créancier n'a pas besoin donc de se rendre au tribunal pour inscrire sa garantie sur les biens apportés par son débiteur. Il peut le faire de chez lui. Il peut le faire de chez lui. Il soumet simplement une requête, il renseigne. C'est sur donc un site internet, le site internet du registre de commerce près du tribunal de commerce de Cotonou. Et les formalités se font entièrement en ligne, ainsi que les paiements et les résultats. Alors, je parle de formalité, c'est l'inscription, les modifications éventuelles, ainsi que la radiation de la garantie. De telle sorte qu'il y a un gain de temps, et puis c'est un système entièrement sécurisé, et qui permet donc de fournir toutes les informations et également tous les services dans ce domaine. C'est une petite révolution que nous avons effectuée et qui augure de tout ce que nous envisageons de faire pour ce qui concerne la dématérialisation. Et puis, monsieur le ministre de la Justice, vous avez créé la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, cour spéciale pour les uns, mais d'exception pour d'autres. Parlez-nous-en. La CRIET, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est un instrument destiné à régler la question de l'impunité, qui, pendant longtemps, était considéré un peu comme un serpent de mer et également une citadelle imprenable. N'en était-il pas capable? Notre pays a adhéré à une convention internationale sous l'égide des Nations Unies, qu'on appelle la Convention de Mérida, par laquelle les États se sont engagés à éradiquer la corruption en tant que fléau, en tant que facteur de sous-développement, en tant que facteur de déstabilisation des économies. Tout le monde connaît les ravages de la corruption. Alors, nous avons adhéré à cette convention, nous avons légiféré, c'est la loi de 2011 sur la corruption et les infractions connexes, mais il manquait
à la fois la volonté politique et puis l'organe chargé de mettre en œuvre cette volonté politique de lutter contre la corruption et surtout l'impunité. La CRIET a été créée dans ce but-là, pour vaincre notre peur d'engager la lutte contre l'impunité. Il vous souviendra que le président Talon, déjà candidat, l'avait dit dans son projet de société. Le jour de son investiture, il a indiqué qu'il fera de la lutte contre la corruption un combat quotidien. Absolument. Il n'émousse pas l'ardeur de tous ceux qui sont en bataille contre ce fléau-là. C'était le moment donc de le faire et c'est la mission essentielle et confiée à la CRIET et qui le fait bien avec les résultats que vous connaissez. Avec pourtant les mêmes magistrats qu'on retrouve dans les autres tribunaux. Oui, je peux l'affirmer sans embâche. Ceux qui animent aujourd'hui la CRIET ont été choisis quasiment à raison de leurs antécédents professionnels. Nous avons voulu une juridiction spéciale. Vous avez lancé une compétition pour sélectionner les magistrats Vous savez, la chancellerie gère la carrière des magistrats et c'est à peu près ce qui allie la compétence et l'intégrité. Je ne dis pas que ce sont les seuls magistrats compétents et intègres. Vous allez vous mettre dans le collimateur des magistrats en le disant. Ce ne soit pas des définitions. est une discrimination. Nous avons choisi ce que nous estimons à même de faire tourner cette juridiction, sachant que ceux qui sont là-bas n'ont pas vocation à s'y éterniser. Il y aura la relève. Donc, pour l'instant, nous avons pourvu et donné donc les moyens à cette juridiction de faire cette lutte-là, à la fois donc, de l'impunité, corruption, trafic de drogue, terrorisme, et puis le procureur spécial a parlé tout à l'heure des infractions liées à la cybercriminalité. Absolument. Également, c'était un phénomène qui prenait de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous avons réussi à renverser la tendance. Il faut plutôt féliciter, en tout cas encourager les acteurs de cette juridiction. Mais ce qui étonne, monsieur le ministre Garde des Sceaux, c'est que la CRIET, pour la plupart de ses décisions, ne rend que des décisions de peine d'emprisonnement de 20 ans. La CRIET, c'est toujours 20 ans. Oui, je sais que c'est une juridiction qui a été au début décriée. On avait même pensé que c'était un épouvantail. Aujourd'hui, tout le monde prend la CRIET au sérieux. Parce que les infractions déférées à la compétence ou à la connaissance de la CRIET sont les infractions les plus graves. En dehors donc des infractions liées au meurtre et au crime de sang. Et la CRIET fait le bon boulot parce que sur le terrain aujourd'hui, nous avons un net recul, comme je l'ai dit, en matière de cybercriminalité. Il y a plus d'égard et de respect pour les données publiques parce que la CRIET est chargée de la répression des détournements de données publiques sur le terrain de la corruption. Aujourd'hui, lorsque même dans les discussions entre citoyens, ça veut déraper, le rappel à l'ordre commence d'abord par l'invocation de la CRIET. Je crois qu'il faut se féliciter. Vous n'avez pas l'impression que c'est devenu un instrument politique? Puisque de toute façon, je voudrais compléter. Non, la CRIET n'a pas été conçue pour être un instrument politique. Oui, mais on a observé que, en tout cas, beaucoup d'opposants y sont envoyés et souvent écopent de 20 ans. Ça fait partie d'un reproche d'ailleurs. Non, c'est une critique. Qu'ils soient présents ou pas. C'est une critique malveillante. Vous avez pu voir que les premières personnes à être épinglées par la CRIET étaient dans l'entourage du président de la République. Donc, c'est sans état d'âme. Je crois que lorsque on décide de combattre la corruption, ces infractions-là, qui sont les plus graves dans le domaine, dans le champ économique, ou le terrorisme, il faut de la détermination et également appliquer la loi avec sa rigueur. Les peines n'ont pas été prévues par le régime de la rupture. Toutes ces peines-là étaient déjà contenues dans la loi de 2011. M. Talon n'est arrivé au pouvoir qu'en 2016. Donc, ce sont des textes qui existaient et tout simplement qui reçoivent application. Puis face à la vague de critiques, le gouvernement a fait un petit rétropédalage en dotant la CRIET du double degré. Non, ce n'est pas un rétropédalage. Nous avons fait nous-mêmes le bilan au terme de la première année d'exercice de la CRIET et nous avons senti la nécessité de la renforcer. Son renforcement peut passer également par l'institution d'un double degré de juridiction, ce que nous n'avons eu aucune peine à faire. Et puis ensuite, nous avons renforcé son effectif. Et puis derrière, vous n'avez pas vu, peut-être vous n'en avez pas entendu parler, vous n'avez pas fait suffisamment attention. Nous avons pris une loi sur la gouvernance publique. La loi portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique qui a permis donc de clarifier d'abord la notion d'infraction économique et ensuite d'asseoir davantage la responsabilité des agents publics qui
occasionne la plupart du temps les procès donnant lieu aux condamnations scandaleuses dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui mérite également, Monsieur le ministre, d'être élucidé, c'est que la CRIETS peut recourir, peut fouiller le passé des gens et les condamner, même quand ces personnes ne sont pas présentes sur le territoire. D'abord, nul n'est au-dessus de la loi. Ensuite, les citoyens, parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, ont l'obligation de déférer toutes les fois qu'ils sont convoqués devant la justice. Personne n'a le droit de se soustraire, pour quelque motif que ce soit. Alors, lorsque les procédures sont engagées, peu importe la personne, dès lors qu'elles ont été engagées, la personne convoquée doit se rendre à la justice. Et je vais dire, c'est peut-être dans la mouvance des prêts d'intention ou des faux procès qui sont faits à la CRIETS. La CRIETS ne fouille pas dans le passé des gens. La loi de 2011 avait déjà institué l'imprescriptibilité des crimes et délits économiques. Cela veut dire que ces crimes et délits peuvent être déférés à tout moment devant les juridictions, dont en particulier la CRIETS. Et cette loi-là, elle n'a pas été votée sous l'ère de la rupture. Il faut donc dire que dans la mouvance de la continuation de l'action de l'État, mais également dans le sens de la préservation des deniers de l'État et de la bonne gouvernance, il faut que lorsque des audits sont faits et qui débouchent sur le constat de malversation à la charge des agents publics, quels qu'ils soient, il faut souhaiter plutôt soit que les agents publics, ceux qui sont en contact avec les deniers publics, aient les égards qu'il faut, ou alors que le châtiment vienne et que ce châtiment-là les atteigne aussi bien dans leur liberté que dans leur bourse. Ceux qui se soustraient, c'est pour un temps, parce qu'ils ne vont pas passer leur temps à cavaler. On a le sentiment que la CRIETS a une mission large, n'a presque pas de limite. Tout est envoyé devant la CRIETS, même des crimes en lien avec le code du numérique et autres. Pourquoi? Le procureur spécial a dit également dans l'élément tout à l'heure, il y a des infractions qui ont été déférées à la CRIETS, qu'elle a retournées aux juridictions de droit. C'est vrai qu'il a fait le point. D'ailleurs dit dans la loi, la CRIETS a le devoir, ou le procureur spécial a le devoir de renvoyer devant les juridictions les infractions qui ne rentrent pas dans son champ de compétences. Ensuite, ce n'est pas toutes les infractions qui vont aller à la CRIETS, tout simplement parce que ça relève de crimes économiques. L'agent qui a détourné 500 000 francs est passible de la CRIETS. Cependant que le procureur spécial peut choisir de renvoyer vers une autre juridiction. Devant la juridiction territorialement compétente, à raison donc du lieu de commission de l'infraction, c'est prévu par le texte. La compétence de la CRIETS, il faut le rappeler, elle est nationale. Elle a un domaine particulier, ce sont les crimes économiques, le terrorisme, ainsi que le trafic de drogue. Pas plus. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez énuméré beaucoup d'actions opérées, effectuées par le gouvernement dans le domaine de la justice, mais vous n'avez pas encore parlé des enfants qui se mettent en conflit avec la loi. Rien, qu'est-ce qui a été prévu à ce niveau? Non, alors là, je dois dire que nous avons beaucoup de sollicitudes pour l'enfance. Aussi bien ce qui se fait au niveau du ministère de la Famille qu'au niveau du ministère de la Justice, qui assure également la protection de l'enfance et notamment des enfants en conflit avec la loi. Nous avons institué avec le concours de l'UNICEF ce que nous avons appelé le tribunal ami des enfants qui s'occupe spécialement des enfants. Mais également, les moyens sont donnés aujourd'hui au centre dédié à la sauvegarde des enfants et des adolescents. Nous sommes en train de procéder à la rénovation et à des reconstructions dans ces centres-là pour mieux récupérer la gestion de ces enfants en conflit avec la loi. C'est un axe majeur au niveau des réformes que nous mettons en œuvre au niveau du ministère de la Justice. Alors, M. le garde des Sceaux, quand vous avez présenté le diagnostic avant 2016, évidemment, vous avez parlé du manque de personnel dans les tribunaux, manque de magistrats. Qu'est-ce qui a été fait? Pour dynamiser la mission des juridictions, nous avons créé une école qui est un centre de formation. L'école s'appelle exactement École de formation des professions judiciaires, qui a pour mission de former les personnels judiciaires. Les magistrats, qui étaient formés autrefois à l'École nationale de l'administration et de la magistrature, donc désormais, c'est cette école, sous la tutelle du ministre de la Justice, qui procède à la formation initiale des magistrats, on les appelle quand ils sont en formation auditeurs de justice, des greffiers et des officiers de justice. Mais également, nous avons étendu la compétence à la faveur de la loi sur la modernisation à toutes les autres professions qui relèvent des auxiliaires de justice. Leurs formations initiales sont prises en compte par cette école que, initialement, nous dédions à la formation du personnel judiciaire. C'est une école qui a été créée en 2018, qui a aussitôt commencé ses activités, qui est en cours donc d'installation sur un site propre à lui, qui est situé à Calavi.
D'accord. Cette école a formé 100 greffiers et 12 officiers de justice qui sont déjà dans les juridictions. C'est-à-dire donc que nous avons formé pour rendre plus opérationnel toutes ces juridictions-là, ce personnel propre à l'administration de la justice. Nous avons également envisagé de faire un recrutement. Nous avons lancé un concours de recrutement l'année dernière qui s'est soldé par une moisson relativement maigre, mais qui traduit le niveau d'exigence et de compétences auxquelles on met. Moisson maigre parce que il y a plus de Béninois désireux de faire carrière dans ce domaine, mais il y a plus de vocation. La vocation doit être sous-tendue par un minimum de compétences. Je le dis assez souvent, un magistrat incompétent est un danger pour la justice, est un danger pour les justiciables. Nous voulons former des magistrats que j'appelle des types nouveaux, c'est-à-dire qui soient à la fois compétents et intègres. Et ces paramètres-là entrent en ligne de compte déjà au moment du recrutement. Nous avons mis le niveau, c'est vrai que nous avons mis la moyenne à 12 pour nous permettre de recruter parmi les meilleurs qui ont la vocation d'aller servir là-bas. Mmh. Et puis après, nous assurons donc leur formation initiale en même temps que la formation continue de leurs aînés et pour eux-mêmes plus tard. Voilà, donc vous n'avez pas trouvé suffisamment de... Non, je crois que les gens avaient banalisé un peu. Les candidats y étaient allés un peu comme par-dessus la jambe. Mm-hmm. Et j'en profite de cette occasion pour en appeler à ces candidats-là, pour leur dire que s'ils sont désireux de servir à la justice, ou servent une partie des hauts fonctionnaires, qui sont également un corps d'élite, il faut qu'ils se donnent les moyens d'y accéder pour mériter à la fois la confiance et pouvoir exercer dignement. Ils doivent se remettre en cause, réviser leurs fondamentaux, réviser leurs cours. Parce que le concours va venir peut-être à la fin des événements qui déstabilisent un peu les programmes. Avant 2021 C'était prévu pour être fait au cours du premier semestre. Recruter 80 auditeurs de justice. Nous avons un besoin en effectif. Quel est le ratio aujourd'hui, magistrat population au Bénin? Nous avons grosso modo 213 magistrats environ. Ça nous éloigne considérablement de la norme à l'international. C'est nettement en deçà. Il y a de 10 magistrats pour 100 000 habitants, 100 000 citoyens. Non, je concède volontiers que c'est nettement en deçà des ratios, des standards internationaux. Mais nous travaillons. Face à ce constat, ne faut-il pas assouplir un peu les critères de recrutement, les conditions de recrutement? Je veux être très clair. Il est hors de question de former des magistrats au rabais. Il est hors de question de prendre ceux qui n'ont pas un minimum de prérequis pour exercer la fonction, parce que c'est une fonction hautement intellectuelle. Vous savez, les magistrats ont entre leurs mains la vie, la liberté et la fortune des citoyens. Il n'est donc pas question ceux qui vont exercer cette fonction-là soient les moins bien formés. Ça nous permet de parler, Ricardo, de l'administration centrale même du ministère. Quelles sont les actions que vous avez menées à la chancellerie pour améliorer la gouvernance de l'appareil judiciaire de notre pays? Je peux également dire qu'au niveau de la chancellerie, le bilan tel qu'il avait été établi n'est pas non plus reluisant. La chancellerie était caractérisée par une extrême lenteur dans le suivi des carrières et puis le traitement des dossiers. Il y avait également une forme de bureaucratie. Je crois que c'est cette bureaucratie qui est à l'origine de la lenteur. Nous avons pu constater une sous-représentation des compétences et puis une mauvaise utilisation des ressources aussi bien financières que humaines. Est-ce que vous savez également qu'à la chancellerie, il y avait également beaucoup de grèves à l'époque? Tout ça a fait l'objet d'une reprise en main au moyen d'un dialogue avec les syndicats. Et aujourd'hui, nous avons restructuré l'administration. Nous l'avons, à la faveur donc, du dernier AOF que nous avons fait, redéployé toute l'administration pour mieux asseoir son action et également son interaction avec les juridictions. Cette administration-là, aujourd'hui, sera dotée d'un plan de formation pour tous ceux qui relèvent de la tutelle du ministère de la Justice. Nous avons créé, au niveau de cette administration, le Centre national de casier judiciaire, qui est désormais la structure qui s'occupe de la délivrance des casiers judiciaires, mais également du suivi et de l'inscription des personnes condamnées dans un registre, parce que jusque-là, le casier judiciaire était tenu de façon presque empirique et pas suffisamment fiable. Nous allons y mettre donc davantage de fiabilité. La dématérialisation est en cours d'installation avec le compte d'ailleurs du ministère du numérique et de la digitalisation. Et lorsque ce sera fait, le citoyen qui a besoin de son casier judiciaire n'aura plus besoin de se déplacer pour aller au siège du tribunal de son lieu de naissance. Ce sera d'un clic que ça va se faire. C'est toujours la modernisation en marche. C'est beau, hein. Du coup, j'ai envie de vous demander, ça va commencer quand?
Nous avons déjà créé et il y a une administration qui s'occupe. Elle est en train de s'installer, d'installer les outils. Les premiers essais vont commencer parce qu'il y a une première opération. Il faut numériser toutes les décisions de condamnation. Donc, c'est le lieu le plus difficile. C'est en cours de réalisation. Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec le statut de la magistrature? Le statut de la magistrature est sur le bureau de l'Assemblée nationale, comme d'ailleurs le statut des magistrats de la Cour suprême. C'est sur le bureau de l'Assemblée nationale et puis dès que la loi sera adoptée, en tout cas mise en débat déjà au niveau des commissions, nous allons y travailler. Pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts sur un nouveau texte qui rallie toutes les tendances. Parce que ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu un texte qui a été voté, qui de mon point de vue aurait dû avoir la faveur des magistrats. Nous avons refait les choses patiemment. Vous corsez aussi le CSM à leur détriment. Non, et justement, alors, la réforme du CSM. Est-ce que vous êtes fier de la nouvelle composition du CSM? Entièrement parce que c'est un organe qui assure la discipline et gère également la carrière des magistrats. Aujourd'hui, nous l'avons réformé et ça permet de suivre à la fois la discipline des magistrats que de gérer leur carrière. Que deviennent les valeurs d'indépendance, d'impartialité de la justice? C'est des valeurs cardinales qui caractérisent tout État de droit, tout État démocratique. Est-ce qu'elles existent encore au Bénin? Bien plus. Nous y avons travaillé, d'abord avec la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, mais également la remise en marche de l'inspection générale des services judiciaires, parce qu'à un moment donné, cette inspection, qui est également un outil de mesure des performances... Elle existait, cette inspection. ...avait été mise en sommeil. Pour des raisons que moi j'ignore. La remise en service de cette institution-là, à qui nous avons donné les moyens, permet aujourd'hui à la fois d'assurer la régularité du service public, mais également de lutter contre un certain nombre de dérives, parce que ces dérives-là naissent justement de l'absence de contrôle. Cette inspection-là fait son travail et en bonne synergie avec le Conseil supérieur de la magistrature. Et je suis en tout cas heureux qu'aujourd'hui, l'image de la justice a été déjà corrigée et que la confiance soit revenue. Les justiciables refont à nouveau confiance à la justice de notre pays. Ça, c'est un pas qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Nous allons poursuivre dans cet entretien, Monsieur le garde des Sceaux, André Dossa, si vous le voulez bien. Nous parlerons maintenant de l'administration pénitentiaire. J'imagine, je présume que le ministre a été également fier de la création de l'APB, l'Agence pénitentiaire du Bénin. Je vous invite à regarder ce reportage de Ariane Da Silva qui nous parle de l'APB. La gestion du système pénitentiaire revêt un intérêt hautement capital dans le souci de pallier les nombreuses difficultés qui minent l'environnement carcéral dans notre pays. Le gouvernement a créé et mis en service l'Agence pénitentiaire du Bénin, APB. Fort de ses attributions, l'APB représente l'instrument par excellence de l'implémentation des actions en lien avec le modèle de programme de gestion des prisons civiles et maisons d'arrêt que compte le Bénin. Révéler le Bénin comme l'une des nations du monde dont l'administration pénitentiaire est la meilleure reste l'objectif du gouvernement. Il y avait un problème de gouvernance, la question de santé, la question d'alimentation, le transport des détenus, la formation des détenus, les questions de réinsertion étaient vraiment laissées pour compte. À la création de l'agence, en tout cas à l'opérationnalisation de l'agence en 2018, beaucoup de choses ont commencé par aller, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Quand vous prenez par exemple le domaine de l'alimentation, il y a une réorganisation du secteur. Quand vous prenez par exemple la question des transports des détenus, ce problème ne se pose plus, autre mesure. Vous prenez la question d'hygiène et d'assainissement au sein des établissements pénitentiaires. Ce n'est plus d'actualité. Les détenus sont formés, il y a des contrats qui sont signés avec des privés qui sont à l'œuvre tous les jours. Vous n'entendrez plus que les détenus vident les fosses septiques dans les caniveaux et autres. Vous voyez un peu. La surpopulation était vraiment alarmante. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes revenus totalement à la norme, mais il y a des efforts d'extension de l'espace carcéral qui sont déjà faits. Vous voyez, au niveau de la prison civile d'Abomey, la capacité d'accueil a été doublée. Vous voyez, au niveau de la prison civile de Misrété, où il y a eu plus de 500 places supplémentaires qui ont été construites
Vous voyez, au niveau de la prison civile de Savalo, qui a été inaugurée récemment par le garde des Sceaux, vous voyez aussi au niveau de la prison civile de Parakou, où la capacité d'accueil a doublé. Cela veut dire que la question de la prise en charge sociale, du mieux-être des détenus, a été vraiment prise en compte. Nous sommes encore sur le chantier, ce n'est pas encore terminé. Et je pense qu'avant la fin de ce quinquennat, vous verrez clairement que beaucoup de choses sont passées aux oubliettes. Et vous allez voir aussi des projets qui sont déjà totalement mûrs pour la construction d'autres établissements pénitentiaires pour rapprocher le justiciable de la justice. Il apparaît donc fondamental que toute vision politique qui se veut réellement au service du développement et du bien-être des nations intègre l'exigence d'assurer une bonne prise en charge des détenus. C'est d'ailleurs ce qui explique le programme de réinsertion socio-professionnelle mis en place par le gouvernement dans les prisons civiles. C'est le cas, par exemple, ici à la prison civile d'Apromisrété. En ce qui concerne la réinsertion des détenus, parce qu'il n'est pas question que les personnes privées de liberté soient entassées dans un enclos jusqu'à la fin de leur séjour. Non. Il faut leur apprendre à faire quelque chose. Il faut les rendre utiles. Il faut leur donner le sentiment qu'ils sont de citoyens à part entière. Donc il faut les préparer à retourner dans la société. Donc voilà un peu le chantier sur lequel nous sommes et dont les résultats sont déjà perceptibles. Les détenus qui sont aux mains de la justice et qui n'ont pas accès au dehors sont sous la responsabilité de l'État. Donc il faut rapidement prendre les dispositions pour les protéger. Les protéger contre ce virus qui est dehors. Les sensibiliser pour que le virus n'ait pas accès dans nos établissements pénitentiaires. Et ce n'est pas facile. Vous voyez les dispositions qui ont été prises, la suspension des visites aux détenus. Il est question que les visites, toute personne venant de l'extérieur n'ait plus accès si vraiment son intervention n'est pas des plus importantes pour la survie, le fonctionnement des établissements. Les détenus pourraient prendre cela mal. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays, la France et dans d'autres pays ailleurs, où les détenus se sont soulevés. Alors il a fallu rapidement aller les voir, leur expliquer le bien fondé et avoir leur adhésion. C'est fondamental. C'est ce que nous avons fait. On a profité pour les sensibiliser, pour qu'ils se prennent en charge en matière d'hygiène, en matière de santé, en matière du respect des règles barrières pour que le coronavirus ne soit pas connu dans nos établissements pénitentiaires. Il en résulte donc que le milieu carcéral du Bénin doit devenir un lieu d'où chaque détenu peut sortir avec de nouvelles idées et de nouvelles armes. Ceci va permettre aux détenus d'avoir une nouvelle chance de s'insérer dans la société avec une perspective de réussite. C'est l'un des objectifs du gouvernement du président Patrice Talon à travers la création de l'agence pénitentiaire du Bénin. Garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Justice, le gouvernement Patrice Talon a décidé de confier la gestion de l'administration pénitentiaire à une agence dont on a vu le directeur, hein, Gilles Cedro Yekpe. Qu'est-ce que ça a amélioré dans le milieu carcéral dans notre pays? La création de l'agence pénitentiaire du Bénin peut être considérée comme une réforme majeure parce qu'elle a consisté à détacher la gestion des prisons pour la confier à une administration dédiée. Cette administration aujourd'hui a fait d'abord une véritable reprise en main des installations et des conditions de vie dans les prisons. Vous savez, dans les prisons, c'était l'insalubrité totale, la vétusté des locaux. C'est cette administration qui s'occupe aujourd'hui de la construction, de la rénovation des prisons, mais également de la gestion de la situation carcérale des détenus, parce qu'elle était également gérée de façon empirique. Aujourd'hui, on a un système informatisé de gestion des établissements pénitentiaires qui permet donc d'avoir un suivi régulier de la situation des détenus. Nous avons travaillé avec cette agence-là dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, à l'amélioration de l'alimentation des détenus et puis à l'amélioration de l'hygiène et de la santé des détenus. Au plan sanitaire, normalement, les détenus sont entièrement pris en charge
pour les maladies courantes, paludisme, les maladies diarrhées et les détenus s'alimentent mieux maintenant. Nous avons veillé à la qualité et à la quantité des rations qui leur sont servies rigoureusement deux fois par jour. Et nous avons d'ailleurs, de ce point de vue-là, procédé à l'audit parce qu'il avait été laissé une dette d'environ 3 milliards pour ce qui concerne l'alimentation sans qu'il y ait la quantité et la qualité. Aujourd'hui, les détenus mangeaient 3 milliards. Il y a une dette, en tout cas, il faut dire une dette abyssale de 3 milliards à l'achat de l'État. Nous avons procédé à l'audit et cette dette-là et le défaut de paiement avaient impacté les prestations de ces personnes-là qui étaient en charge de l'alimentation. Donc, nous avons fait une correction de ce point de vue avec l'agence pénitentiaire qui travaille également à la socialisation des prisons pour les rendre plus humaines. C'est ce que vous avez vu dans les ateliers, les formations. Dans les prisons, nous avons également des élèves ou des étudiants à qui on permet de passer leurs examens. Et l'année dernière, nous avons eu deux succès au BPC. Je crois que c'est l'amélioration des conditions de vie qui permet ça. Alors, selon vous, donc, on vit mieux maintenant dans nos prisons, mais il reste que nos prisons demeurent surpeuplées, monsieur le ministre. Que faites-vous dans ce sens? La question de la surpopulation carcérale est également tributaire de la politique pénale. Et nous travaillons dans ce sens. C'est justement l'intérêt des libérations conditionnelles auxquelles nous procédons, auxquelles nous avons commencé déjà par procéder. Libération conditionnelle, exercice de la grâce présidentielle qui permet donc de remettre en liberté alors qu'elles n'ont pas fini de purger leur temps de peine un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, il y a auprès de chaque prison des commissions de surveillance qui se réunissent au bas mot deux fois par an pour sortir une liste de personnes que nous mettons dehors. Et à raison du coronavirus, nous avons accéléré le rythme d'examen de ces dossiers et plusieurs de nos compatriotes ont commencé à bénéficier de libération conditionnelle. Il est également difficile de faire la démarcation entre maison d'arrêt et prison dans notre pays, au point où on voit le détenu préventif et le condamné séjourner. À l'intérieur des prisons, nous avons travaillé au rééquilibrage des détenus, ceux qui exécutent leur peine et ceux qui sont en attente. Nous avons désormais séparé les quartiers de mineurs, les quartiers de femmes des hommes. Ça là, ce sont des recommandations qui sont faites par les instances internationales que nous suivons aujourd'hui rigoureusement. Dans l'organisation judiciaire, il doit être attaché à chaque tribunal une maison d'arrêt. Alors, donc c'est en cours, le projet est en cours. Nous avons recruté un expert qui a travaillé avec nous sur le modèle de gestion de nos prisons. Et les résultats sont là, il nous reste qu'à les mettre en œuvre. La mobilisation de ressources est en cours et dès que ce sera fait, ce sera mis en œuvre. Nous prévoyons de construire trois prisons parce que justement l'ensemble maisons d'arrêt et prisons est désigné sous le thème générique d'établissement pénitentiaire. Mais à l'intérieur, les maisons d'arrêt sont destinées à recevoir les personnes en attente de décisions qui n'ont pas été définitivement jugées, tandis que les prisons sont destinées à ceux qui doivent subir une condamnation. Nous avons construit trois prisons, notamment dans la région de Cotonou, de Parakou et de Boïcon, et puis 8 maisons d'arrêt pour compléter le nombre actuel. Est-ce que vous avez dans vos stratégies, par exemple, prévu un mécanisme de rééducation des mineurs qui se retrouvent en conflit avec la loi? Il y a un plan de formation du personnel de l'éducation surveillée. À un moment donné, le recrutement et la formation avaient cessé. Ça fait partie des missions de l'école. Nous allons recruter le personnel de l'éducation surveillée qui s'occupera donc des enfants en conflit avec la loi. Et la récession socio-professionnelle de ces détenus est une réalité? Dans les prisons, vous avez vu que la formation de ceux qui sont en détention est destinée justement à permettre leur réinsertion sociale. La prison doit être considérée comme un passage. Et ceux qui donc y sont, s'ils avaient un emploi, ou avec un métier, doit pouvoir compter de faire quelque chose. Ceux qui n'en avaient pas ou ceux qui se destinent à une autre profession ont la possibilité donc de faire un apprentissage. Et dans toutes les prisons aujourd'hui, il y a des ateliers de formation, il y a également des ateliers d'apprentissage de toutes sortes de métiers artisanaux pour permettre à ces personnes-là donc de se rendre utiles à la société plutôt que de travailler à leur retour en prison par des cas de récidive. Alors, monsieur le garde des Sceaux, nous allons poursuivre cet entretien. Le temps d'évoquer quand même vos relations avec les institutions. Quel est l'état de ces relations-là? Je vais peut-être utiliser un langage en usage chez les diplomates pour dire qu'avec les institutions, les relations sont au beau fixe. Il y a une véritable collaboration très intelligente entre le gouvernement et les autres institutions de la République dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Très bien. C'est ça d'ailleurs qui a permis, à la faveur du dialogue politique, la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes. Avec l'Assemblée nationale, le gouvernement a réussi à voter presque 200 lois en 4 ans,
à la fois pour restructurer l'économie, pour réformer les institutions de l'État, mais également pour assurer la réforme de toutes les autres institutions. Ça nous a permis aujourd'hui cette bonne collaboration entre les institutions à la faveur du dialogue politique initié par le chef de l'État, de réviser la Constitution et de moderniser... Vous en êtes fier puisque c'est sous votre gestion que cela a été fait. Oh non, je dis que le succès avec la révision de la Constitution doit être mis à l'actif de toute la classe politique. Bien entendu, à commencer par le chef de l'État. La révision a été voulue par la classe politique. Elle a été mise en œuvre par le gouvernement et l'Assemblée nationale qui a voté la loi de révision de la Constitution et qui a permis aujourd'hui de moderniser notre modèle politique. D'abord, nous avons, à la fin de cette révision, aboli la peine de mort. Ensuite, nous avons créé la Cour des comptes. Nous avons institué le poste de vice-président pour assurer la continuité du pouvoir politique. Nous avons procédé à une clarification pour ce qui concerne la limitation des mandats à la faveur de cette loi-là. Donc, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats. C'était des choses qui prêtaient à confusion. Mais surtout, une meilleure représentation des femmes. Et puis après, il y a eu la légitimation de la chefferie traditionnelle. Cela a permis d'avoir une année électorale de façon à maintenir le peuple au travail. Vous avez surtout contribué aussi à mettre en place des lois très difficiles à appliquer, le code électoral, l'achat des partis politiques. C'est toujours la bonne collaboration entre les institutions qui a permis justement l'avènement. Est-ce que quand vous voyez les difficultés aujourd'hui des acteurs politiques à utiliser ces instruments-là, est-ce que vous en êtes fiers? Oui, bien entendu, vous avez vu que le code électoral, le nouveau tel qu'il a été voté, a permis la présence de ce qui avait été déploré des partis de l'opposition dans la compétition qui va s'ouvrir bientôt. La charte des partis politiques a été clarifiée. Nous savons donc désormais qui est dans l'opposition, qu'est-ce que l'opposition, qui doit être chef de file de l'opposition, et instituer donc les partis de l'opposition comme des partenaires du pouvoir du gouvernement en place. Nous avons, à la faveur donc, des lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale, clarifié également ce qu'il faut pour ce qui concerne le financement des partis politiques, qui est une manière de concourir à la vitalité de ces partis, entendus comme les principaux animateurs de la vie publique. À la faveur du dialogue politique, une loi a été votée, une loi d'amnistie, pour pacifier les cœurs et les esprits à la suite des malheureux événements d'avril et de mai de l'année dernière. Donc, choses ont été faites. Aujourd'hui, beaucoup de lois, dans le cadre des relations avec les institutions, et notamment avec l'Assemblée, beaucoup de lois ont été votées, donc au plan économique, au plan social, mais également au plan politique, qui nous permettent donc de moderniser notre État. La Cour constitutionnelle, sans concession, travaille également à assurer le respect de la Constitution, ainsi que des droits de l'homme au Bénin. Et ça, là encore, il faut le mettre à l'actif de cette bonne compréhension que les institutions ont de leur collaboration. Il en est de même des autres institutions. Vous parlez, monsieur le ministre, des droits de l'homme. Le Bénin qui récemment s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est une première. En réalité, il ne faut pas parler donc de retrait, mais nous avons dénoncé une clause, c'est-à-dire la stipulation qui permet de donner compétence à la Cour pour juger des affaires dont elle peut être saisie par des citoyens ou des organisations non gouvernementales. Nous sommes toujours membres de la Cour africaine. Pourquoi priver les citoyens béninois de la possibilité de saisir cette institution continentale? Cette clause était facultative. Cette clause était facultative. Voilà d'ailleurs pourquoi, à la date où le Bénin annonçait son retrait, seuls 9 ou 10 États avaient donné cette compétence spéciale à la Cour de recevoir donc les requêtes émanant d'individus. Mais l'usage qu'en fait la Cour, qui va donc sur le terrain, parce que il faut savoir la raison pour laquelle le Bénin a dénoncé cette stipulation contractuelle pour retirer compétence à la Cour en ce qui concerne la requête des individus. C'est à la suite d'une décision rendue dans une matière qui ne relève pas de la compétence de la Cour. C'est à l'occasion d'un conflit entre un opérateur économique libanais ou des opérateurs économiques libanais et une banque privée à l'occasion du recouvrement d'une créance privée. Et la Cour trouve le moyen là de faire des injonctions à l'État du Bénin qui n'était pas dans la procédure et qui n'a rien à voir dans la procédure, sous le prétexte qu'il y aurait une décision qui causerait un dommage irréparable. Quel est le dommage qui peut être irréparable dans un conflit entre commerçants?
et qui ne peut pas être réparé par l'argent ou par une condamnation, qui ne peut jamais être à la charge de l'État parce qu'il s'agit d'un conflit entre deux particuliers. C'est pour cela que je dis que la Cour ne s'est pas méprise, ou en tout cas, s'il s'agit d'une méprise, ce défaut de lumière jette beaucoup de doutes sur son fonctionnement. Vous voulez dire que la décision a été mal orientée ? Très mal conçue. Cette décision a été mal conçue parce que le champ de compétence de la Cour est bien déterminé. La Cour statue donc là, dans une matière commerciale, qui est réglementée au surplus par un droit communautaire. Parce que la matière où le conflit est né entre ces parties privées relève du droit OADA, qui est un droit communautaire propre au Bénin, ainsi qu'à un certain nombre d'États du continent africain. Et la Cour trouve le moyen là de rendre une décision dans cette matière. C'est une méconnaissance, mais très grave, qui jette beaucoup de doutes sur la connaissance qu'elle a de la portée et de l'étendue de ses compétences. C'est une décision que nous avons prise et donc qui n'a rien à voir avec ce que vous évoquez. Même si ça peut-être froisser un peu l'image de la démocratie béninoise. Ça ne froisse en rien. On n'est pas le premier à retirer cette compétence à la Cour. La Tanzanie, qui abrite le siège de la Cour, l'a fait. Le Rwanda, qui a assuré récemment la présidence, l'a fait à un moment où il assurait la présidence de l'institution, tout simplement parce que tout cela avait observé que l'institution dérivait et ne sortait pas. Mais dans le cas d'espèce, le Bénin reste toujours membre de cette Cour. Le Bénin est toujours membre de cette Cour, et donc qui peut sanctionner à la requête du président de la Commission, à la requête des organisations gouvernementales, des dérives ou sanctionner les violations des droits de l'homme, la compétence reste acquise. Mais parce que nous avons assisté ces derniers jours un peu comme à une ruée vers l'or qui va être considérée demain comme l'âge d'or de la Cour où donc il y a une avalanche de saisines qui donne lieu. Maître Kenom, vous êtes avocat. Et les avocats réussissent très rarement au ministère de la Justice. Vous avez un bilan, vous voir en parler avec beaucoup de passion. Êtes-vous un ministre heureux, justement, de ce point de vue-là, parce qu'il y a des actions qui ont été faites? Non, je ne sais pas si des avocats ont échoué au ministère de la Justice. Tous les avocats, de mon point de vue, qui ont exercé le métier de garde des sceaux, alors qu'ils n'y étaient pas formés ou qu'ils n'étaient pas attendus dans la fonction, ont pu exceller, tout simplement parce qu'il y a cette formation professionnelle initiale, empreinte de rigueur, qui permet donc d'aborder les dossiers. Je ne suis pas un homme heureux parce que je suis garde des sceaux, ministre de la Justice, ou j'ai pu être nommé ministre. Ce qu'il y a et que je dois souligner, c'est d'avoir eu le privilège de travailler aux côtés du président Patrice Talon, qui, pour l'exécution, pour l'exercice du mandat, pour l'exercice du mandat qui lui a été confié par le peuple, fait preuve d'une passion dévorante pour conduire toutes les réformes qu'il a promise. Et lorsque vous êtes à côté de quelqu'un comme ça, qui, avec rigueur et méthode, conduit les réformes, vous êtes obligé de rentrer donc dans le trait. Moi, j'avais été longtemps avocat, donc défenseur des droits de l'homme ou défenseur des particuliers. Et c'était déjà pour moi exaltant. Mais j'ai découvert que servir son pays au sommet de l'État est encore plus exaltant. Je suis dans une équipe de gens dévoués, pleins d'abnégation, qui accompagne tous les jours le président de la République dans la mise en œuvre des réformes. Travailler donc pour son pays à ce niveau-là, c'est exaltant, c'est passionnant, et puis ça procure du bonheur. Alors, si c'est ça, être heureux, je suis un ministre heureux. Nous sommes au terme de cette émission, votre conclusion. Et je vous remercie. Je crois qu'il faut reconnaître la vision clairvoyante du président de la République qui a su doter notre pays d'un instrument de navigation qui nous évite les pilotages à vue et les improvisations. Le programme d'action du gouvernement est l'un donc, des meilleurs outils de développement et qui, conduit avec méthode, a permis d'avoir ces résultats-là. Il faut saluer donc ces résultats et dire que le mérite en revient au chef de l'État et pour cela, rester dans cette dynamique et amener le peuple à comprendre que ce qui se fait par le président de la République est pour lui et rien que pour lui. Merci, Monsieur le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Maître Séverin Maxime Kenom. C'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation. 4 années de modernisation de la justice béninoise. Beaucoup de choses ont été faites. La justice béninoise, aujourd'hui, va mieux et elle est plus proche des justiciables. Ceci grâce à la méthode et à la rigueur imprimée par le président Patrice Talon. Maître Séverin Maxime Kenom est heureux
heureux de travailler aux côtés du président Patrice Talon et de relever les défis. Vous l'avez entendu, c'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. André Dossa, merci. Merci Ricardo, merci Gadesso. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous.